Avec la possibilité d'entrer dans la gare de Keleti, la tension est tout de même retombée d'un cran. Depuis l'intervention de la police mardi, les choses s'étaient envenimées. Sous un soleil de plomb et sans nourriture ou presque, les bagarres avec les forces de l'ordre hongroises ou entre candidats à l'exil s'étaient multipliées. La police est très dure avec nous, ils sont très durs, surtout avec les Syriens. Je suis originaire de Syrie, je suis professeur d'université, je pense que je ne suis pas humain pour eux. Personne ne nous aide, ce sont des menteurs, ils parlent de droits de l'homme, de loi internationale. Mais quelle loi internationale et quels droits de l'homme respectent-ils ? Ces migrants sont arrivés certains nombres depuis le début de l'année, mais ils souhaitent simplement continuer leur périple pour demander l'asile dans des pays plus fortunés comme l'Allemagne et l'Autriche. Pourront-ils continuer ce voyage en attendant survivre dans des conditions décentes ? L'Europe n'a semble-t-il pas encore la réponse.